Pour moi, la transition, c'était un peu compliqué au départ, surtout scolairement, parce qu'on était beaucoup plus suivis ici, avec l'étude et tout le soir. Et alors que où je suis, on n'est pas vraiment suivis, on est beaucoup d'internet, donc c'est compliqué. Et forcément, footballistiquement, c'est mieux ici que dans mon club amateur où moi je suis. Moi aussi, ça va pour l'instant, ça se passe bien. Après. Juste au niveau de l'école, le pôle c'était mieux parce qu'on avait l'étude, on était pris en charge, alors que là on doit, avec le foot on finit, on doit se débrouiller tout seul. Bien, on était contents, en plus on s'est tous retrouvés les anciens du pôle, enfin, pour la plupart. On était tous contents de revoir surtout Ibo et Laurent et les installations aussi. On est content de se revoir, bon il en manque quelques-uns, mais globalement on est tous là presque. Et puis rejouer sur ces installations où on s'est entraîné pendant plusieurs années, enfin un an pour moi et deux pour Faris, ça fait plaisir de rejouer sur ces installations-là. Franchement, les meilleurs souvenirs, c'est quand on gagnait les matchs, quand on jouait contre les autres pôles espoirs. Quand on gagnait, c'était forcément un bon souvenir. Parce qu'on était tous contents et puis on se faisait plaisir quand on jouait ensemble, je trouve vraiment que c'était vraiment bien. Moi c'est ça mon meilleur souvenir. Moi c'était plus dans les bêtises, je me souviens plus des bêtises. On a tous envie, en sortant d'ici, de devenir professionnel parce que sur les dernières années, les jeunes ils signent vite pro, enfin plutôt qu'avant. Et on a tous envie de revenir ici et de donner notre maillot avec notre nom à Ibu. Ouais, je suis d'accord avec Faris. Et puis pour moi, vu que je suis en club amateur, mon premier objectif c'est d'abord d'intégrer un centre de formation. Et puis par la suite, comme Faris, on a tous le même rêve. Donc c'est d'arriver rapidement footballeur professionnel et puis voilà.